Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'info puisqu'il y a quelques news qui viennent de sortir dans la nouvelle This Week in Destiny. On va faire le tour ensemble des principales choses sur lesquelles il faut revenir dans ce communiqué officiel de Bungie. Donc on va parler du raid, The Final Shape, puisque nous avons eu une date. On va parler du changement pour les clans à venir. On va parler également de ce qui va changer avec la sortie de The Final Shape. Et enfin, on va parler du retour du Bungie Bounty for Good. Allez, c'est parti! Pour commencer, nous avons eu une date. Sachez, messieurs, dames, que le raid sortira le 7 juin à 19h. Oui, vous l'avez bien entendu, il sortira 3 jours seulement après l'extension The Final Shape, la forme finale. Donc ça va faire très très court pour se préparer. Il va falloir vraiment être au taquet pour pouvoir être opérationnel le jour de la sortie de ce nouveau raid. Côté clan, il va y avoir du changement puisque le système de suivi de réputation chez Hawthorn va s'améliorer. Les gardiens pourront dorénavant gagner de la réputation de clan en accomplissant diverses activités. Et les activités de difficulté plus élevées vont vous permettre de progresser plus vite, cela va de soi. Autre info, il ne sera plus nécessaire d'être niveau 6 de votre clan pour obtenir le contrat de Nuit Noire. De nouveaux contrats également vont venir s'ajouter à la playlist de contrats, comme un contrat de contenu saisonnier ainsi qu'un contrat pour les donjons. Et enfin, des petites nouveautés vont être intégrées par ailleurs. Par exemple, pour chaque niveau de clan différent, des activités et des nouveautés vont être expérimentées. Au niveau 2 de votre clan, les bannières de raid qui sont vendues chez Hawthorn coûteront moins cher. Au niveau 3, le premier contrat de clan que vous allez compléter chaque semaine vous accordera un engramme exotique. Au niveau 4, les contrats de raid vous apporteront des butins de conquête et les victoires en épreuve vont vous conférer une réputation d'épreuve supplémentaire. Au niveau 5, vous gagnerez de l'XP d'armes supplémentaires en bonus en complétant les jalons de la semaine. Et enfin, au niveau 6, terminer tous les défis du clan en une semaine vous donnera un alliage ascendant. On va parler dorénavant du mode Panthéon qui sera disponible, comme vous le savez, le 30 avril prochain. Et bien sachez que ce mode ne sera dans la playlist que pour 5 semaines. En effet, il disparaîtra du jeu avec la sortie de The Final Shape le 4 juin prochain. Alors il faut savoir qu'ils veulent, d'après les studios, créer un événement unique dans lequel les joueurs pourraient tester leur courage, leur bravoure, avant d'entrer dans la grande bataille de la forme finale. Alors est-ce que ce ne serait pas un genre de bêta-test de ce qui pourrait nous attendre dans Final Shape? Pourquoi pas? En tout cas, ce mode nous donnera une variété d'emblèmes qu'on ne pourra pas obtenir à aucun autre moment. Il ne faudra donc pas hésiter à farmer ce mode afin de ne pas louper ces emblèmes qui ne reviendront pas. Et d'ailleurs, en parlant des choses qui vont partir et rester, faisons un petit peu le point sur ce qui va disparaître avec la sortie de Final Shape, c'est-à-dire à partir du 4 juin. Pour commencer, faisons le point sur les titres et l'arsenal. Le titre Godslayer que l'on va obtenir dans le mode Panthéon ne sera plus disponible à la sortie de Final Shape. Également, le titre Brave que vous pouvez farmer actuellement avec la sortie de Into the Light ne sera plus disponible. Les variantes en édition limitée des armes de l'arsenal Brave que l'on peut obtenir en ce moment ne seront plus disponibles. Et enfin, le hall des champions ainsi que tout le contenu qui lui est associé, comme par exemple les quêtes du petit robot Arcite 99 ou les coffres d'armure et l'harmonisation des armes ne seront plus disponibles. Il faut savoir que tous ces éléments ne pourront pas être obtenus autrement. Pensez donc à farmer les titres avant qu'ils ne disparaissent à la sortie de la prochaine extension. En revanche, certains éléments vont rester, comme par exemple les revêtements et armures que vous allez gagner en ce moment même dans Into the Light. Les items spéciaux, quant à eux, comme par exemple le revêtement Super Black, reviendra un petit peu plus tard, histoire de lui donner un peu plus de rareté. Quant à l'activité Agression, ainsi que ses récompenses d'armes et de l'arsenal Brave, ils vont être transférés dans la playlist de l'avant-garde. Les trois nouvelles maps PVP également, qui devraient arriver sur le jeu le 7 mai prochain, resteront dans la playlist. Et enfin, les missions exotiques de l'Infection Parfaite et du Murmure vont être déplacées dans l'onglet Légende et resteront donc dans le jeu. Cela inclut bien évidemment les armes exotiques et les récompenses de catalyseur qui sont liées à ces missions et qui pourront toujours être disponibles auprès d'Eris Morn et d'Adawan. Enfin, nous allons parler du grand retour du Bungie Bounty for Good. Donc c'est un événement que vous avez connu et qui permettait de soutenir des œuvres caritatives comme par exemple, cette fois-ci, le manoir Ronald McDonald ainsi que sa campagne
Kilt for Kids pour la 13e édition, je crois. Cet événement va vous permettre de remporter un nouvel emblème qui se nomme Heart of a Highlander, ainsi qu'un revêtement Kilted Out, dans le cadre bien sûr de ce Bungie Bounty. Donc pour chaque point que va marquer l'équipe de Bungie pendant leur stream, un don de 2$ sera fait à la maison Ronald McDonald. Vous allez donc devoir trouver cette équipe, la matcher et espérer gagner ou non contre eux. A savoir que cette équipe sera rejointe par deux streamers connus, Benny et Pure Chill, à l'occasion de ce Bungie Bounty. Donc l'an dernier, ils avaient fait cet événement en ayant pour hôte une équipe américaine. Cette fois-ci, ce sera un hôte britannique. Il va donc falloir matcher en fonction de l'heure de lancement de l'hôte britannique. Ils lanceront en mode épreuve, en 6 contre 6, et l'équipe de Bungie sera composée de 4 à 5 joueurs uniquement. Vous pourrez donc espérer être dans leur équipe, ou en face. Dans tous les cas, l'idée sera pour vous de gagner afin de pouvoir remporter votre emblème. Petite précision, les équipes gagnantes remporteront l'emblème Light Lotus. Le nouvel emblème Heart of Highlander et le revêtement Kilted Out dont je vous ai parlé précédemment sont des items que vous pourrez remporter en échange de donations. Si vous souhaitez en savoir plus et vous inscrire, je vous mets le lien, bien évidemment, en description. J'espère que ces news vous ont plu. N'hésitez pas à me faire part de votre retour dans les commentaires et je vous retrouve très bientôt, je l'espère, pour plein d'infos sur Destiny 2. Ciao tout le monde!